Dis-moi, je t'ai jamais demandé, mais c'est quoi exactement ton poste dans cette boîte? Bah, j'appartiens au pôle recherche, innovation et développement de la boîte. Mais d'accord, mais concrètement, tu fais quoi? Bah, je recherche, j'innove et je développe. En fait, je cherche surtout. Mais je cherche beaucoup. Oui, en gros, tu sers à rien. Voilà. Mais je fais du bon café. Certes. Suivant. Bonjour, madame, monsieur. Je viens postuler à un emploi. Y'a quelqu'un? S'il n'y a personne, il faut me le dire, hein. Bonjour, cher monsieur. Oula, j'ai eu peur. Pas tant que moi. Alors, vous voulez devenir un super vilain, c'est ça? Eh bien, oui. Sans déconner. Je n'oserais pas. Et quelles sont vos qualifications pour le job? En fait... Ne me dites rien. Laissez-moi deviner. Vous avez un pouvoir qui vous rend très spécial. Exactement. Comment vous avez deviné? Oh, je commence à m'habituer à mon karma de merde, hein, tout simplement. Alors, quel est donc ce pouvoir si spécial? Eh bien... Vous pouvez voir dans le noir. Non, ce serait trop facile. Oh, vous tirez vachement bien à l'arc. Non, parce... Vous réussissez à faire mourir les gens de rire avec vos goûts vestimentaires de chiottes. Si vous me laissez pas... Non, parce que des gens qui se ramènent avec des super pouvoirs de merde. J'en ai 12 par semaine. Alors quand je vous ai vu arriver, hein, je me suis dit que pour une fois, j'allais devancer le speech habituel. Nom de Dieu! Comment vous avez fait ça? Eh ben voilà, c'est ça mon pouvoir. Non, Sandek. Bah, si vous m'aviez laissé en placer une... Mais c'est génial! Vous pouvez balancer des lasers avec vos yeux! Un peu. Vous avez ruiné mon bureau! Mais c'est génial! Ah bah, c'est bien la première fois que quelqu'un réagit comme ça. Simone, bloquez-moi tous mes autres rendez-vous, je n'y suis pour personne. Excellent, excellent. Vous vous rendez compte qu'avec un pouvoir comme le vôtre, vous avez de quoi devenir la némésis de Cyclope, le Cyclope des X-Men? Je sais pas trop, je... Bon, évidemment, on ne donnera pas dans l'originalité, hein. Mais qu'importe. Certes, il faudra juste un peu changer de style, hein. Le super vilain Clodo, c'est pas très concept. En plus, vous êtes vachement balèze. Vous arrivez à viser deux points en même temps? Cyclope, lui, n'en est pas capable, j'en suis sûr! Ah oui, mais en fait ça, c'est pas spécialement voulu. Pardon? Je souffre d'un gros strabisme avancé. Je louche en permanence, si vous préférez. D'ailleurs, c'est pour ça les lunettes, parce que niveau vision, c'est pas la joie tous les jours. Vous pensez que ça peut être gênant? Simone?